Ok. Ok, on est bien installé. C'est parti. Nous sommes le 29 avril. Et il y a plus d'une dizaine de jours, j'ai eu 22 ans. Et je voulais revenir là-dessus. Sur cette année, sur qu'est-ce qui me définit. Qu'est-ce que j'ai envie de changer. Parler à moi du futur. Parler à moi du passé. Et je pense que certains d'entre vous pourraient se reconnaître là-dedans. Alors, je me dis, c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je tiens à dire que c'est très très inspiré, notamment ce plan, notamment les autres plans de la vidéo, sur une youtubeuse qui s'appelle Colline BLF. Je pense qu'elle passera jamais sur cette vidéo, mais en tout cas, je la salue parce que son travail est incroyable. Je vous laisse sa chaîne en description si ça vous intéresse. J'ai 22 ans et je viens de terminer il y a une pile 10 jours. Précisément 10 jours, ma double licence socio-éco. Je vais en faire une vidéo sur qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça. Elle sortira après celle-là, je pense. Et ça m'a défini, quelque part, pendant 3 ans. Et même si je continue les études, que je continue à aller dans le cursus universitaire, bah, ces 3 ans, elles ont été très formateurs et ça a eu des points très positifs, mais comme négatifs aussi. Qu'est-ce que m'a appris cette année depuis mes 22 ans? Qu'est-ce que je peux retenir de tout ça? Je pense que je vais faire une vidéo chaque année, un peu comme les 365 jours, la vidéo qui sort le 1er janvier. Pourquoi je suis venu vous parler aujourd'hui? Plusieurs choses. J'ai noté 2-3 trucs sur mon téléphone. Je travaille mes vidéos, d'accord? Qu'est-ce qui m'a défini depuis que j'ai 22 ans et jusqu'à avant mes 22 ans, parce que je viens d'avoir 22 ans il y a 10 jours. Je pense qu'il y a une grosse partie de ma personne qui est dirigée vers le travail, vers la lecture, l'apprentissage des cours, etc. Et vers un côté très réflexif, très, très universitaire, très cadré, très formé, très formaté aussi parfois. Et c'est bien, mais ça a ses limites. Donc, j'en reparlerai dans la vidéo de la double licence, mais ça m'a formé parce que je sais plein de choses, parce que j'ai appris plein de choses, mais ça a été aussi très difficile. Là, je vous ai emmené avec moi dans la forêt parce que c'est voilà, chez mes parents, etc. Mais c'est pas du tout comme ça que je suis d'habitude. D'habitude, je suis des heures et des heures à la BU, à travailler. Et ça a été hyper dur pour moi ces 3 années en réalité. Parce que j'ai fait que travailler, quoi. Je me suis foutu la pression parce que j'ai envie de réussir. J'ai pas envie de décevoir mes parents. J'ai envie d'avoir cette double licence. À l'heure à laquelle est sortie cette vidéo, je ne vous dirai pas si je l'ai eu ou pas parce que je ne sais pas. Les résultats sont dans 10 jours. Mais vous le saurez dans la vidéo de la double licence. Bref, tout ça pour vous dire que le travail et la discipline, surtout la discipline, fait partie de moi aujourd'hui, grâce ou à cause, je sais pas trop, de cette double licence qui m'a énormément appris, mais qui m'a énormément contraint aussi. Je suis défini par le travail et je trouve ça un peu dommage aussi parfois, parce que bah, j'aimerais bien faire autre chose. J'en parlerai aussi dans la vidéo de la double licence, mais si j'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est parce que j'étais en cours et parce que c'était hyper dur pour moi d'allier les deux. Alors je vais revenir, hein, et je fais des vidéos là, je suis en train de tourner, mais ça faisait hyper longtemps que j'avais pas tourné. À 22 ans, il y a aussi quelque chose qui me définit, c'est le sport. Je fais énormément de sport. Vous avez vu la vidéo de la transformation, une vidéo sur la muscu, parce que je fais encore un peu de muscu. Je fais de la boxe aussi, maintenant, depuis plus d'un an. J'en ai jamais parlé, je crois. Mais la discipline que m'a apporté cette double licence, elle m'a aussi appris à être discipliné dans le sport. C'est pour ça que j'ai pu tenir grâce à ça aussi. Et le sport, ça m'a vraiment aidé. J'en parlais dans une vidéo des 7 conseils que j'aurais aimé entendre à 20 ans. Bah voilà. Il y a ça, là, aujourd'hui. Il y a le sport qui fait que ça me tient, je suis en bonne santé, je me sens bien dans mon corps. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me définit et que j'aime et que j'ai pas envie de perdre. Je parle à la personne, à Tom, dans un an, quand je ferai la vidéo l'année prochaine. J'espère que j'ai pas arrêté le sport, j'espère que je suis toujours aussi assidu et que je travaille tout autant. Ensuite, parce que j'ai 22 ans, j'ai aussi l'impression d'être perdu. Voilà, je fais des études, j'ai un peu trouvé mon métier, mais j'en sais rien. Je vais voir l'année prochaine, parce que l'année prochaine, je rentre en master. Bah, je me pose plein de questions. Qu'est-ce que je fais ici? Mes connaissances, mes amis, ma famille, toutes ces relations qui sont pas faciles à gérer. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Où est-ce que j'ai pas envie d'aller? Écouter ses peurs, écouter ses craintes, écouter ses envies, faire des choix. Tout ça, c'est... Je pense que je suis pas le seul Je suis pas le seul en fait. À me dire qu'à mon âge je suis un peu perdu et que je sais pas trop où je vais. Et sache que bah tu n'es pas le seul. Tu n'es pas la seule. Ça c'est un peu compliqué aussi à gérer. Où est-ce que est ma place dans le monde?
Où est-ce que est ma place dans mes amis? Avec qui je parle? Avec qui j'arrête de parler? Qui sont mes vrais amis? Qui ne le sont pas? Je pense que tout le monde peut se poser ces questions, tu vois. Et moi, je me les pose aujourd'hui. Pour parler du dernier sujet, c'est j'ai envie de faire différemment. C'est-à-dire que là, j'ai passé 3 ans à travailler comme un fou. J'ai été triste, beaucoup pour ça. Et j'ai envie de faire autrement, surtout. Vivre le truc différemment. J'ai toujours envie de travailler, j'ai toujours envie de faire du sport, mais j'ai envie de vivre un peu avec un autre angle de vue, une autre facette, un nouveau prisme, quelque chose de chouette. Pas d'endurer un peu ce que je vis, parce que la double licence, j'ai l'impression de l'avoir un peu enduré. J'ai envie de voir de nouveaux horizons, de voyager, de découvrir de nouvelles personnes. Et tout ça, bah, c'est maintenant. Parce que j'ai 22 ans et que bah, ça va se passer toute l'année prochaine. Et quand je reviendrai l'année prochaine pour vous faire la vidéo, bah, j'espère que je pourrai vous dire que j'ai fait différemment. Je dis pas tout changer. Je dis pas revenir à zéro. Je dis pas remettre les compteurs à zéro. Changer du tout au tout. Je dis juste faire différemment. Avec un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, un peu plus de lumière, un peu plus de soleil. C'était moi à 22 ans et on se retrouve l'année prochaine.